Et faut qu'on se renseigne sur ce qu'ils sont capables de faire en fait. Bon, 486e les gars, 3708, on est parti. En fait, faut pas faire bêtement le plus de points possible, parce que si tu fais le plus de points possible et que tu finis quatrième, ta moyenne va monter et tu vas quand même perdre. Donc, en fait, si tu es sûr de perdre, eh ben, vaut mieux pas faire de points pour faire baisser ta moyenne. Merci Gravity, merci beaucoup. Allez, on continue. Eh bien, je reçois des petits boosts. Et j'espère, en fait, le matchmaking, bah, c'est réglé par rapport à la moyenne des joueurs. Et maintenant, le CVC, c'est pareil. Maintenant, c'est basé sur la moyenne des joueurs. Il a 3369. Est-ce qu'on partirait pas? Je vais faire ça. Je vais peut-être partir en team lente. En laissant quand même un Kimar. Enculé, hein. Qu'est-ce que tu veux que je parte en team lente là? Putain. Il m'a sorti mon singe et il m'a mis Arima. C'est mon singe. 5 étoiles là. C'est mon mien. Soit je coupe Sifis, soit je coupe Arima pour l'instant. Change de strat. Pourquoi? Pourquoi il banne pas Ronda? Putain. Ah, c'est un combat de merde, ça. C'est un vrai combat de merde. Slip. Slip. Merci. T'aurais dû slip, je pense. Je pense qu'il aurait dû slip. Ah putain, par contre t'as de la chatte, hein. T'as de la chatte, mon petit gars. Lui là pour l'instant, il a de la chatte, hein. C'est pas fini, hein, mais. Entre le mouton, la contre-attaque où je me fais pétrifier. J'ai ouvert mes voids. T'as ouvert quoi? T'as eu quoi? J'ai rien loot? Ah bah, comme moi. Moi j'ai ouvert mes voids aussi. J'adore le taf qui se chauffe en RT. Là il va AOE. Je vais raise. Je vais recharger. Ah c'est tendu hein, avec sa Sifi de merde. Putain j'ai pas le temps de recharger. Eh ouais! Faut forcer la réa. Hein. Le petit x10 me faisait bien pour RTA Hydre, mais bon, ouais, moi c'est pareil, je me suis dit pourquoi pas. J'ai ouvert 15 rares sur 15 éclats.
T'as que ton A1 là. Mais comment ça t'as déjà récupéré ton A2? Ton A3 ou je sais pas quoi? Comment ça? Casse les couilles lui hein. Il a vraiment de la chatte hein, il a dû avoir un proc bijou, je sais pas quoi. Putain. Le mouton déjà au début là, il m'a mis dans une merde pas possible. Putain de mouton. Puis dépêche-toi s'il te plaît. Slip-moi qui marre, allez. Putain, fais chier. Hein. Putain. Châteux, ouais. Châteux, châteux, châteux. Incroyable. Le Ménon, je préfère le Ménon. Ah oui, le château aussi. Ah là, là c'était un château, là. Je suis désolé, mais... Il a tout châté. Il a tout châté. En fait, juste le mouton, ça m'a fait... C'était horrible. Juste le mouton. Et en plus, il avait pique en premier aussi. Quoi ce langage? Pas sorti. Mais si, mais il me la banne. Il me la banne, gorgé. Oh! Taras Marichka, bim. Ah, ça va être beau. Ouais, ça va être beau. Ramantu. Oh. Oh. C'est tellement fort, ça. Oui, je retirais ça. Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Il m'a laissé Ronda. Ça peut clairement le faire. Pourquoi il est à 3-4-3? Je sais pas. En plus, il est début 3-4... Enfin, ouais, il est vraiment au début du truc, quoi. J'ai eu peur. J'ai pas assez de précis pour ces persos-là, je pense. Donc ça servait à rien que je lance une à deux. Je vais avoir mon AoE. Pareil, vaut mieux que je garde là-haut. Au cas où. Bon, évidemment, on a un break pot de pierre. Un break pot de pierre. Un break attaque. Un break pot de pierre. Je suis en train de penser à son pot de pierre en fait. Et... Un break pot de pierre. C'est un nouveau truc. C'est pas mal. Bon, on tente. Ah, rien du tout. Je vais booster. Et tu vas me terminer la Lily. Merci. Là, on va full attaquer ça jusqu'à ce que je puisse envoyer une A2 sur Marishka et c'est gagné. Voilà pourquoi il a 3-4-3, ma bille. Voilà pourquoi. Allez, suivant. Parce que déjà, il a fait un très mauvais ban. Tu sais très bien que je vais te ban Taras. Pourquoi tu me laisses Ronda pour... Oh! Oh! Oh!
Bon, je connais la boxe. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. C'est très très chaud pour moi. Je connais la boxe. Genre de mec, j'ai quasiment pas de quoi counter. Je sais pas c'est lequel qui joue là. Et peu importe lequel c'est qui joue, je suis un peu dans la merde. Je suis un petit peu dans la merde. Je dois être tout content le Sgagos. Tendu. Tu dois le jouer en hydre, non? Sais pas. Ça va être chaud là, hein. Ça va être chaud. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps, hein. Ah! J'avais la 2 là, hein. J'avais la 2. Putain! Ah, ça s'est joué à pas grand chose. C'était plus serré que d'habitude là, grâce au singe. Il manque un tout petit peu de vitesse sur le Kima. Elle était rechargée, hein, la 2 là, normalement. Je lançais la 2, je le slippais. Et après, c'est moi qui déroulais. C'est pas suffisant, 360 de speed. Putain, dommage, hein. Dommage, dommage. Mettre ça déjà.
pas le choix. Hein. J'ai pas bien le choix là. Putain de tormain de merde. Putain de tormain de merde. Il prend pot de pierre, parfait. Parfait. Hop. J'ai pas envie de le réveiller, le... l'autre, là. Putain! Il y a zéro buff, j'arrive quand même à me faire geler. Hein. Juste à cause du boost ATB. Hein. Putain! Chien. Ah, vas-y, je suis obligé de faire ça là. Ah, elle s'est pas fait geler. C'est pas fait de geler. On se fait contrôler. On se fait contrôler. Putain! Oh, mais c'est incroyable hein! Yeah. T'es pas fini, t'as pas trop fort. Ah ouais, mais vas-y, fous le contrôle. Qu'il arrive à... Faut pas qu'il tue mon arbitre, quoi. J'ai mon A2 le tour d'après. Tormain c'est cancer. Chatte t'es mort. Incroyable. Incroyable. Putain, Kimar il va crever. Ah, il est pas mort le Kimar. Par contre il est immunisé, je vais le booster. Ah, il a même pas le temps de jouer. Il a récupéré son refresh ou pas encore? Putain, il l'a déjà récupéré, hein. Putain. Ah, c'est la merde. Hein. C'est clairement la merde. Je pense même que c'est perdu. Ça fait chier. Ah, c'est frustrant des loose comme ça. Hein. C'est clairement frustrant. GG. Je perds 3-2 là pour l'instant. Bon bah faut qu'on gagne 3-2 sur les 5 derniers. C'est reparti. Putain. Ah c'est des loses à la con. C'est pas des loses en mode ça se joue à que dalle quoi. C'est chiant. Un petit gel, un petit machin, un petit truc qui passe mal.
quand même incroyable leur box hein, à chaque fois. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Warlord 6. Warlord 6. Ok, ça me va hein, pour l'instant ce qui me sort. En vrai, ça va. J'ai de celle, tiens, voilà, ça t'aidera. Warlord ou arbitre? En fait, je me dis, si lui il est en pot de pierre, je préfère le retirer lui. Sinon, je préfère faire ça pour être sûr d'outspeed parce qu'il va me retirer Sifi. Voilà, il me retire Sifi. Normalement, mon Kimar, il est quand même bien stuff. Il y a moyen que je l'outspeed, le Warlord. Mais s'il est en pot de pierre, il y a moyen que le pot de pierre se retire pas et j'ai perdu en fait. C'est ça le truc. Et s'il est bien stuff, arbitre, ça se trouve, il se faisait pas cut. Parce que le Cardiel doit être rapide, voilà exactement. Sauf que lui, il est en pot de pierre. En fait, de toute façon, il est bien stuff, le gars. Donc, dans tous les cas, c'était chaud. C'est passé. J'ai. Ouais, non, mais c'est passé, mais il cleans. Le Cardiel est plus rapide que le Warlord. J'aurais pas pensé. Bon, bah, c'est tendu. Je vais me faire bomber le cul. Je vais me faire bomber le cul. Ah, puis il m'a bombé même le. M'a bombé même Uko. Pas assez de précis pour le Cardiel. Ah, le Cardiel il doit être bien stuff. Hein, parce il est plus rapide que son Warlord. Et il a résisté. Donc à moins que j'ai pris un 3%, ça se peut. Mais ça veut dire qu'il est. C'est un Cardiel à au moins 700. Minimum 700 de résil. Minimum. Et en vitesse, plus rapide que son Warlord et tout. Ça veut dire qu'il doit avoir au moins. Sachant qu'il avait un lead plus petit. 3,40 de vitesse pour 700 de résil. Un truc comme ça. 3,40, 3,50 de speed. Avec 700 de résil. C'est chaud, hein. C'est chaud. Mais sa team était vraiment bien faite, hein. Warlord pot de pierre, le Cardiel qui est plus rapide. Les nukers qui auraient pu sweep derrière une arbitre. Au final, il m'a pas sorti des persos de fou, hein, genre. À part qu'il a Warlord. C'est juste, il a bien joué. Il a juste bien joué. On va partir là-dessus. Partir là-dessus. Un petit Tormund let's speak. Un petit Warlord. Un petit Warlord quand même. Le petit Warlord il me casse les couilles. Honnêtement. Alors, dans un sens, je me dis qu'il n'y a pas de raise. Donc, Ouais, non, non.
Bah, je vais pas abuser. Je vais pas abuser. Vite, 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 vite. Je suis obligé de retirer ça. Ça, Warlord. Mais ça, en fait, dès que ça joue, c'est fini pour moi. Ouais. Donc, il y a moyen que je l'overspeed, mais s'il est en pot de pierre, je suis mort. Encore une fois. S'il est pas en pot de pierre, je le sleep. S'il est pas en pot de pierre, je le sleep. Il est pas en pot de pierre. Je le sleep, hein, il me cut. Par contre, mes nukers sont lents, hein. Allez! Putain! Ils vont jouer avant gorgée, eux. Ah non, il s'est barré. Oh. Je crois qu'ils auraient joué avant gorgée, hein. Je pense, hein. Je pense que... Ouais, j'ai un petit peu de chance, j'avoue, j'avoue. Le fait que Ronda l'accompagne, j'ai eu un petit peu de chance. Mais ça aurait rien changé. Mais après, il aurait pas dû partir, hein. Il me semble que mon gorgé était plus lent. Je sais pas pourquoi il est parti. Il m'aurait peut-être OS, hein. Des fois, faut pas charger, t'as gagné, accepte-le. Je jure. Je jure. Pas sûr à 100% de mettre le singe, vu qu'il y a eu des cas. J'ai plus de coca, moi. Allez, fanatique! Allez! Allez! On y croit. Allez! On croit en toi. Wow, wow. Je m'y attendais pas trop. Bah ça et titre hein, que veux-tu? Un team habituel, hein. La spéciale Tav. Tu vas refaire 8 heures aujourd'hui. Bon, ça va dépendre de ce qu'on aura à faire. Je pense pas 8 heures, ça sera un peu moins, je pense. J'ai moins de gemmes là quand même. Bon, voilà. Bon, à part si ses nukers sont en pot de pierre, je vois pas comment il peut gagner, hein. Après, il vient juste d'arriver, mais il m'a sorti un truc là. Incompréhensible. C'est le mec qui est monté juste en piquant en premier en mettant Arbitre tout le temps, je pense au début. Il a Arbitre Lily et il a rien d'autre. Elle est en pot de pierre, elle, quand même. Attaque. Oh! Manquerait plus qu'elle me fume, hein. Manquerait plus qu'elle me fume, hein. Elle est plus sain, hein. Bon, elle a contre-attaqué, mais j'aurais joué après, elle était morte. Bon, bah c'est bon. M'a fait peur, hein. Ça fait un petit peu peur quand même. Attention, c'est peut-être peut-être qu'il tape, hein. Peut-être qu'il tape. Bon, il y a de la résille. On va passer à travers le pot de pierre, hein. C'est vraiment un fanatique qui lâche rien, je te jure.
Oh, t'as fait zéro dégâts. Ouais, il est même pas dégâts son UDK, il aurait pu partir, hein. Tête de con, va. Genre en plus, si t'es en plein CVC, tu perds du temps hein, au lieu de te barrer, hein. C'est incroyable, hein. Eh ben... Attends, comment ça s'est passé là? Ah, encore une win et on aura fait 50-50, hein. Une win sur deux et on aura fait 50-50. Si je peux en faire deux, tant mieux. Même en silver, les mecs ont des meilleurs mobs. Ouais, bah oui. Jamais de ça. La météore. La 6 étoiles, tu mets météore dessus. Ah. Non mais. Niel, tu la mets en mouton? Ok, ça je veux bien, tu vois. Fatigant, hein. Ils sont fatigants. Je suis obligé de mettre Kimar. Je suis obligé de mettre Kimar. Et est-ce que je retire Shuzen ou Yumeko là? Je vais retirer Yumeko parce que l'aura est trop up. Je pense. Il faut que j'espère qu'il me retire pas Kimar. Il me retire pas Kimar. Et il me retire pas Ronda. Ouais. Ouais. Irrespect pour Arima, c'est violent. Alors franchement, là, en plus, en 6 étoiles. Putain. Un russe, taf, il a baigné dans la vodka. Ouais, je crois bien. Hein. Incroyable ça. Bon, je te slip ça dans le doute. Un raise, je suis d'accord. Fais chier, fais chier, fais chier. Pensez que c'est quoi qui tape le plus fort de ces deux là? Lui, il y a moyen qu'il crève. Mais ça t'a plus fort qu'Arima, ça, normalement, de base. Hein. Je pense que j'ai bien fait. Putain, il. Putain, il manque. Putain! Ah, me dis pas que je perds là! Oh! C'est pas possible! Avec sa Arima de merde en météore là! Putain! Ah, j'ai pas de chance, ça se joue à quelques PV pour que la faucheuse elle proc. Si tu meurs de la météorite, je rigole. Putain! Honteux, hein. Le gars avec sa box, il est censé être top 100. Sauf qu'il met des météores sur ses Arima là. En fait, il a Arima 6 étoiles, putain, genre, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous?
Sérieusement. En plus, en Nuka, il joue sans âme. Et il avait pas de boost de dev dans sa team. Ça avait un petit peu aucun sens. Ça aussi. Hein. Ça avait un petit peu aucun sens. Ah, il me fait chier ça là. Ça me fait chier. Sauf que j'ai pas d'autre nuker. T'es obligé de le ban. En espérant qu'il me sorte pas un écrète ou je sais pas quoi. Faut que je banne ça. Ouais, sinon j'ai. Ouais. Mais c'est pas ouf, quoi. Chier. Ah, je peux pas, j'ai pas mis Kimar. On retire Sifi. Ouais, bon, ça va. Ça va, ça va. N'empêche la diff de box par rapport à des gens qui ont le même nombre de points que toi. Ah, là, ça va, hein. Là, ce qui m'a sorti, c'est pas. Mais ouais, les trois quarts, ouais, ils ont des box de ouf. Fait moutonner. Le coup faible. Le coup faible. Accompagne Ronda. Accompagne, tu me ferais gagner là. Putain, t'es vraiment une tête de mort. Putain. J'ai perdu, hein. J'ai perdu. J'ai pas perdu. J'ai pas perdu. Allez, Ronda. Allez. Oui. Ah, c'est pas fini. Mais non, je suis con. Ouf. Ouf, pourquoi il est parti encore lui aussi? Ah bah 5-5 les gars. Ouh, c'était chaud hein. T'as eu des combats, c'était de la merde hein. Pourquoi il est parti? Il allait me fumer là avec son singe. Ah bon bah la prédit c'est bon. Prédiction. Choisir la réponse, oui. Of course.